Christophe Galtier, où tu dors à Marseille. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va essayer de voir qui est le meilleur choix entre Christophe Galtier et tu dors. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors, le nom de Christophe Galtier circule du côté de Marseille. Le nom de tu dors circule également du côté de Marseille. Pour toi, quel sera le bon choix pour Marseille? Moi, je trouve que Tudor, le fait que Tudor revienne à Marseille, parce que c'est un coach qui a coaché Marseille, le fait de faire revenir Tudor, pour moi, ce n'est pas une bonne idée. Ce n'est pas une bonne idée. Faire revenir généralement les anciens entraîneurs, pour moi, ce n'est pas une bonne idée. On l'a vu avec José Mourinho lorsqu'il est revenu à Chelsea. Ça a plus ou moins bien marché. Donc, moi, je pense que Tudor, pour moi, ce n'est pas une bonne idée pour Marseille parce qu'il a déjà coaché Marseille. En revanche, je pense que Galtier, pour moi, peut faire l'affaire. Parce qu'en termes de palmarès, Galtier a quasiment tout gagné. Il a quasiment gagné dans tous les clubs là où il est passé. Donc, moi, je pense que Galtier, pour moi, peut faire l'affaire. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Ce sont déjà très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.